Les amis, on se retrouve sur Assassin's Creed. Oh là là. Écoute ma gueule. J'ai débloqué l'arme la plus casse bonbon de l'histoire de l'humanité de Valhalla, mec. Il faut faire toutes les livraisons de pêche à ce putain de gosse. Je le déteste, je vais le défoncer. Écoute. Je sais plus ce que j'allais dire, mais écoute bien. C'est grave chiant. C'est grave chiant, c'est tellement chiant que j'ai mis à peu près 10 heures. Voilà. 10 heures de ma vie, j'ai pêché dans Valhalla. Non, j'ai même pas pêché, je tirais à l'arc. Parce que si tu pêches, mec, tu peux en rajouter 14 des heures. Non, mais gros. J'en peux plus de cette putain de quête de merde. Je l'ai fini. Il fait jour. Toute la nuit, j'ai pêché ta mère, la grand-mère. Écoute, ne fais pas ça. Ne le fais pas. Ne le fais pas. Regarde ma vidéo, ne le fais pas. Like la vidéo, ça m'aide, c'est bien. Bref, je vais te montrer un peu la localisation des poissons qui étaient buggés. On va tester l'arme. Je vais dire un dernier mot. Chiant. Ok, les poissons qui étaient buggés, les amis, c'était la plie grande, le petit esturgeon de merde et le maquereau grand. Ces trois poissons n'étaient littéralement pas dans le jeu. Donc tu pouvais pas faire cette livraison de merde et tu pouvais pas avoir le succès. Bref, quand t'as récupéré ces poissons, je vais te donner la localisation là tout de suite. Tu vas pouvoir récupérer l'arme. Je te montre où sont ces poissons buggés. Je dois partir. Ok, le petit esturgeon et la plie grande, les amis, c'est au sud de Winchester. C'est au sud de Winchester, c'est entre le pont et la mer. Tout simplement, ici, t'as les plies grandes et les petits esturgeons. Je te conseille, si ça ne paraissent pas, de méditer ou de fast travel, de téléporter pardon, à un autre endroit et de revenir. Ouais, encore, c'est encore chiant, mon gars, j'en peux plus. Bref, et ne pêche pas. Non, non, ne sors pas ta canne à pêche, mon pote. Tu vas perdre un temps de malade mental. Tire à l'arc, fais la vision d'Odin. J'en ai mal au pouce. J'en ai mal au pouce, les amis. Ok, on a aussi le flétant petit. Personnellement, je l'avais déjà trouvé pour moi. Il n'était pas buggé. Il se trouve ici, au nord-ouest d'Est Anglie. Et on a le macro grand. Alors, ce petit salopard de macro grand, macro de mes 1, il se trouve en Norvège, exactement ici. Il en spawn un toutes les 10 000 ans. C'est un truc de ouf, les gars. J'ai dû fast travel un nombre de fois incalculable. Il en spawnait un à chaque fois. Et après, non, il n'y en a plus. Non. Et donc, pour la dernière livraison, celle qui va te récompenser. De l'espadon, la grande épée, espadon, c'est de... J'ai fait tout ça pour cette arme. Écoute, voilà. Il va falloir des moyennes anguilles, moyennes, pas petites ni grandes, des moyennes. Il va falloir aussi des halos grandes. Je te montre la localisation des halos grandes, ça se trouve... Ça se trouve ici, en Est-Anglie, entre le site du serpent et les trois petites îles qui sont là. Ici, il y a des halos grandes. Pour la plie grande, je t'en ai déjà parlé juste avant. Pour l'anguille moyenne, les amis, c'est en Est-Anglie, à côté de la plus grande ville d'Est-Anglie. En fait, c'est dans l'arène d'un drained. Vous savez, le drain le plus faible, eh ben, c'est ici, dans ce petit bassin. Donc, tu peux y aller, tu les butes au corps à corps, carrément, et tu récupères les anguilles moyennes. Pour le saumon grand, les amis, c'est à gauche de Jorvik. C'est un point de synchronisation. Et tout simplement, c'est carrément à ce point de localisation. Il y a de l'eau et il y a des saumons grands. Et c'est parti pour débloquer l'arme, les amis. L'arme, elle est... 10 heures de pêche. C'est bon, les gars. Je l'ai fait. J'ai pêché pendant 10 heures pour avoir ce truc, les gars. 10 heures, droppez-moi un like, s'il te plaît. Un like égale une gorgée d'eau. Une heure de sommeil. J'en peux plus, les gars. J'en peux plus de pêcher sur ce jeu. J'en ai marre. Pourquoi je fais ça? Je sais pas. C'est bon, je peux enfin donner la dernière quête à ce putain de gosse. La vie de ma mère, je vais faire un infanticide. Ok, je lui donne. Lui donne et je vais pouvoir enfin récupérer l'arme la plus dure à récupérer. Quelque chose qui pourrait t'intéresser. De ce Valhalla. Cette arme. Oui, c'est une arme. Pour avoir donné 2000 poissons, on te donne un poisson. Ok, c'est parti. Des anguilles moyennes.
Des halos grandes, mes couilles. Des plis grandes, mes testicouilles. Et des saumons. I got it. Espadon, grande épée. Il est quelle heure? 4h30 du matin. T'es bien, Slap. Génial. Nick, t'es mort, le sale gosse. Ok, je dois y aller. Je dois y aller, plus jamais je te parle. Plus jamais j'appuie sur Y pour parler. Écoute. Inventaire. Ok. Je l'ai, les gars. Espadon, grande épée, elle est en mythique déjà. Ok. Oh, j'ai la tête qui tourne. Vraiment, j'ai la tête qui tourne. C'est quoi son truc? Les coups puissants aux ennemis tombés, les incendies. On se fout de ma gueule? Se foutrait-on de ma gueule? C'est de la daube. Sérieux? Bon, voilà la gueule du... Attends, je vais inspecter ça. Comment on inspecte? Je sais plus jouer à ce jeu, si c'est bon. Attends, on va la comparer, les gars, avec Excalibur, qui se trouve ici. Comment on compare? Comme ça. Donc, elle n'est pas augmentée à fond. Un pré-critique, ok, elle fait plus de critiques. Elle a plus de vitesse. Je vais pas l'améliorer, les gars, hein, parce qu'il y a le DLC qui arrive. On va se calmer. On va la test, par contre. Les ennemis qui tombent au sol, mais en fait, quand ils tombent, j'aimerais qu'ils soient déjà morts, en fait. T'as vu? Ok, ça donne quoi, alors? D'accord, j'ai bien un poisson derrière mon dos. Oh! Pardon, le chien. Il est même pas mort, le yinche. Ça te dit la puissance de l'épée, hein? Le chien! Il veut sa vie, un petit peu. Je vais tester ça dans un raid, les gars. Je vais me taper fort avec. On va voir ce que ça donne. Franchement, ce bonus... Voilà ce que j'en pense. On va voir ça. Tarben, pourquoi as-tu rejoint notre clan? Attends, j'ai encore cette quête là. Vous voyez cette quête où on doit emmener ce gogol, je sais pas où là. Je l'ai encore. Jamais je fais ta quête, mec. Jamais je la fais. Nictaras, suis-moi, je m'en fous. Allez, ouais, vas-y, suis-moi, j'en ai rien à faire. Et cela t'a fait envie? Ah, j'ai pas assez d'argent, carrément. Non, je suis à ce point pauvre. Ok, d'accord. Je peux pas lancer un raid, les gars. Je vais vendre des pommes. Eh, les gars, il paraît qu'on peut avoir une relation amoureuse et sexuelle avec cette jeune femme. Ouais, pas mon type. Allez, salut. Ok, les gars, on est en raid. Je vais piller cet endroit et je vais tester le fameux poisson épée. Ok, qu'est-ce que ça va donner? J'espère que ça tape fort quand même, hein, parce que bon. Eh, c'est moi ou j'ai un bug en bas à gauche là? Genre ma vie et tout, c'est mal placé, les gars. C'est pas grave. Alors, ils sont où les méchants? Ils sont là-haut. Alors, toi, l'arbalétrier, gros lâche. Mais n'hésite pas. Oh, il s'est caché dans un buisson. Il s'est plus au fornit, les gars. Ok, ça a tapé plutôt vite là. J'ai pas vu grand chose. Comment ça a tapé? Allez, monte et voir. Où sont les ennemis? Là. Yo, ma gueule. Ma. 110, 11, ouais, ok. Mais où sont... Je veux taper des gens, en fait. Ah oui, il y a littéralement rien ici, en fait. Sérieux? Ah oui, c'est un village de merde, d'accord. On va faire un gros château fort. Allez. Hey, Gogol, on tape dessus, c'est le porte bois, mec. Il me faut de l'aide. Allô, merci. Non, marche accroupi pendant que tu y es. Quoi? Un beau butin. Fichons le camp d'ici. J'ai gagné une ration, là? Attaque menée à bien, ta récompense est une ration. Allez, on se téléporte, les gars. Merci. Ok, les amis, on a un château fort en vue. C'est parti. Let's go. On va voir ce que ça donne pour de vrai cette fois. Je vais me taper vénère avec des gens. On va voir ce que ça donne pour de vrai. Est-ce que je viens de dire deux fois exactement la même chose? Oui, c'est pas grave. On y va.
J'aime bien l'épée sur le dos. Pas une belle dégaine. T'as un viking qui gueule, qui arrive. Sur un poisson, mon pote, t'es là. Ok. D'accord, il m'a tapé en premier. Ouais. Ok, faut que je fasse 4 enchaînements avant de tuer un mec. Aïe aïe aïe, ça m'a pas l'air foufou. Ouais, ouais. Ouais, c'est très moyen. Hein. Qu'est-ce que je te dise? On va taper contre un gros monsieur. Le truc, c'est comment veux-tu que je fasse tomber les gens pour que son bonus s'active? Attends, peut-être en main gauche. Comme ça, je fais l'attaque spéciale. Et ça fait tomber les ennemis normalement. Donc on va swiper. On va swiper avec Excalibur. On va mettre l'espadon dans la mort qui tue. Où est-il? Où est poisson? Il est là, mon poisson. Ok. Donc là, je suis censé faire... Non, ça c'est l'arc. Je suis censé faire ça et ça l'a cramé, c'est ça? À peine. Tu vois? Il tombe pas, gros. Mais bouffe ça, gros. Non, non, lock-lui, voilà. Ouais. Allez, on essaie encore. Raté. Ok, il m'a mis une belle esquive. Encore? Est-ce qu'il prend feu? Même pas, frérot. Non, je suis en train de prendre une photo, là. Par contre, c'est pas mal la photo. Attends. Ok. Gros, je le fais même pas tomber. Et lui, il regarde. Ça va, mec? Ça va, tu t'ambiances? Recule, ouais. Ah non, j'ai cru que c'était un ennemi. Ok, on va continuer. Y a-t-il un groupe d'ennemis? Plus de 3 personnes, si possible. Alors, toi, tombe, s'il te plaît. Il est tombé. Il n'est pas en feu. Il n'est pas en feu. Il n'est pas fait de feu, là. Attends, j'ai pas mal lu. Les coups puissants. En plus, c'est les coups puissants. Attends. C'est quoi? Bouclier. Attends, parce que je suis en train de faire une attaque, c'est ça? Oui. Bouclier, on va mettre bouclier et espadon. La nouvelle méta, oui, bien sûr. Hop. Où est poisson? Il est là. Donc, coup puissant. Non, mais laisse pas les ennemis aussi. Toi, reste à terre, t'es une merde. Allez, toi, coup puissant. Ok, là, il est en feu. Hein. Ouais. Alors que Excalibur, les coups puissants, c'est... Damn, il est énervé, il a eu. Les coups puissants de, pardon, d'Excalibur, c'est quand même l'éblouissement. Tu vois ce que je veux dire? C'est quand même vachement mieux. Non? Ça va, le poulet? Est-ce qu'il crame le poulet? Non, il a pas il a marché en feu, mais il a pas cramé. Ennemi. Ennemi, où sont les ennemis? Là, il y en a un. Non, laisse-le moi, bonhomme. Je sais que... il a une arme de ouf, lui. Ah, il a payé 50 euros pour l'avoir. Ok, toi. Je vois un chien, toi aussi, là. Il est pas au courant que son camp est sous attaque. Ok. Tombe par terre. Je mets du 33 avec un coup puissant. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? J'ai raté, ça a marché. Ok. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Qu'est-ce que tu veux que je te dise sur cette arme, mec? Je comprends pas. Pourquoi les armes les plus dures à avoir du jeu, vraiment, c'est-à-dire le marteau de Thor et cet espadon de mes couilles, c'est moyen, genre. C'est voire moyen moins. Comment ça se fait, Ubisoft? Je veux dire, si votre but, c'est que les gens restent sur votre jeu et jouent. Que je sais que vous voulez que les gens fassent. Pourquoi vous foutez pas des armes dures à avoir super fortes? Comme ça, ils disent, ouah, c'est super fort, il me la faut, je vais pêcher pendant 10 heures. Non, faut que ce soit pété. Qu'est-ce à l'attaque du mouton. Ouais, je comprends pas, les amis. Alors que à côté, tu mets n'importe quelle double dague ou n'importe quelle double lance. Et tu fais masse de dégâts. Vous avez vu, j'ai fait des attaques lourdes.
Et je mettais du 33. Du 33, mec. Avec une attaque simple de lance qui est deux fois plus rapide qu'une attaque lourde d'épée. Et ben, je fais plus de dégâts. Non, mais allô? Non, vraiment, allô? La vie de mer, allô? Ma gueule, si ça t'a plu, drop-moi un petit like, ça m'aide beaucoup. Abonne-toi si tu me connais pas. Je live sur Twitch, premier lien dans la description. Et on se retrouve bientôt pour The Wrath of the Druid. Race, Wrath. La rage des druides, mes couilles. En DLC, tu connais les bails. Hop, c'est parti.